Je suis triste pour lui, mais s'il a fait des bêtises, il est normal que la justice passe, la justice juste. Mais c'était un très bon maire. Nous habitons là et s'il vote, on peut voter pour lui dans 10 ans. Peut-être que je voterai pour lui. Voilà. C'est tout, j'ai rien à dire de plus. Et madame était, elle n'est pas incarcérée, mais madame était une personne extrêmement efficace. Et si tout le monde veut habiter avec ses enfants, les grandes familles ici, d'accord, les logements sont chers, mais on sait que dans les HLM, il y a tout un système pour que les gens viennent habiter ici, tellement les gens veulent venir habiter à Levallois pour les études, les loisirs et le sport. Ça, c'est sûr. Alors ça, c'est quand même un succès. Bon, s'il a fait des bêtises dans sa vie privée, mais il n'a pas détourné d'argent public quand même, à part l'argent des impôts, mais qu'on ne confonde pas. Il n'a pas détourné, enfin semble-t-il, j'ai écouté BFM, il n'a pas du tout détourné en faisant des bagouilles, comme on l'avait cru à un moment donné, non. Voilà, il s'est cru plus malin, mais il y en a beaucoup d'autres qui se croient très malins et qui ont payé sans doute moins cher que lui. Donc il faut tenir compte du fait que c'était un très bon maire depuis des années, très sympathique d'ailleurs, et c'est agréable et parlant quand on se réunit au Monument aux Morts, là. Parlant de son père, je peux vous dire qu'il a été en prison, qu'il a été en camp de concentration. Il en parle d'une façon extrêmement sincère et c'est un homme qui a vécu beaucoup de choses. Voilà, alors il s'est cru plus malin et au-dessus des lois. Bon, il faut qu'il paye. Voilà. Ben, Cahuzac, c'était pas un maire, c'était un ministre. C'est pas du tout pareil. Bon, Cahuzac, c'était des fonds privés, il a mal placé. Il a réussi à s'en sortir drôlement bien, d'après les nouvelles qu'on a. D'abord Cayenne, ensuite maintenant la Corse. Bon, ben, je ne pense pas que le maire d'ici s'en sortira aussi bien. Mais je pense qu'il va quand même tenir le coup, parce que c'est un homme très fort. Voilà, très fort, psychiquement. Voilà, mais il a fait le malin, donc il est puni. Voilà, je lui souhaite de tenir le coup parce qu'en prison, ça ne doit pas être facile, même s'il a une prison un peu améliorée comme d'autres en ont eu. Hein? Et puis je souhaite qu'il puisse avoir peut-être une peine aménagée, comme Cahuzac. Cahuzac, il a eu une peine aménagée et à Cayenne, hein, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était un ministre de gauche. Alors quand même, Cahuzac, je ne sais pas s'il a été puni tant que ça. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire.